Bonjour à tous et à toutes à la maison. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Véronique Roussel, je suis agente de communication au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on vous présente en fait une séance « Tracez votre chemin vers l'Université de Montréal » en fait pour les étudiants qui sont formés au Québec. Donc, je serai votre co-animatrice aujourd'hui avec mon collègue Olivier. Olivier, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Olivier, agent d'information et au dossier au service d'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Bonjour, enchanté. Un plaisir. Donc, on est aujourd'hui avec deux étudiants. Alors, Judith et Jean-François, des étudiants de l'Université de Montréal, qui viennent nous présenter, en fait, eux, comment s'est déroulé leur processus d'admission et d'exploration à l'Université de Montréal. Judith, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, moi c'est Judith. Je suis étudiante en communication en troisième année à l'Université de Montréal. Parfait. T'as fait ton cégep où? À Vanier, en anglais. Super. Jean-François. Je m'appelle Jean-François. Je suis étudiant en deuxième année du programme de droit et j'ai fait mon cégep au cégep Gérald Godin dans l'ouest de l'île à Sainte-Geneviève. Génial. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer cette présentation-là, je dois vous, vous présenter quelques petites consignes. Comme vous l'avez remarqué, votre micro et votre caméra est fermé. Et le sera tout au long de cette séance-là. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans la bulle Q&A ou Q&R au bas de votre écran. Nous y répondrons par écrit et si nous avons un petit moment, on répondra de vive voix à la fin de notre séance. Et puis la séance est d'environ une vingtaine, trentaine de minutes maximum. Excellent. Eh bien, c'est parti. Je vous présente le plan de la présentation aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler de l'exploration des programmes d'études, comment découvrir la multitude de domaines d'études disponibles finalement. On va ensuite parler de la préparation, de la demande d'admission, ce qui est à faire, à penser pour tout faire dans les temps. On parle ensuite du dépôt, concrètement, le dépôt de la demande d'admission et également son suivi, ce qui est à faire par la suite pour compléter notre dossier. On va également parler de l'intégration au programme d'études une fois qu'on est admis au programme. Et finalement, et surtout, on va pouvoir poser nos questions à nos ambassadeurs avec nous aujourd'hui. Parfait. Commençons tout de suite avec l'exploration. Donc, je vais couvrir ce sujet-là. En fait, l'exploration, d'abord, quelques petits trucs qu'on aurait à vous donner, à vous proposer, c'est d'abord pousser vos recherches. Faites des recherches sur le site Internet, sur le site admission.umontréal.ca. Découvrez des programmes auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé. Donc, d'autres petits trucs, nous avons une belle page de contenu enregistrée, donc la page vidéo sur demande sur le site de l'Université de Montréal. Ensuite de ça, pour votre exploration, on vous encourage fortement à parler à vos parents, à vos amis qui sont peut-être à l'université en ce moment, qui ont passé par ce processus-là. Mais également, si jamais vous connaissez des personnes dans les domaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à leur poser des questions pour en savoir plus sur le métier en tant que tel. Et puis, ce qu'on aime aussi proposer comme conseil, en fait, c'est lorsque vous êtes à la recherche d'un programme, demandez-vous, par exemple, est-ce que je souhaite participer à la résolution d'un problème en particulier sur un sujet particulier. Donc, ça peut peut-être alimenter vos recherches d'exploration. Donc, d'autres petits trucs là, pour vous aider, vous accompagner lors de cette étape-là de l'exploration jusqu'au dépôt de la demande d'admission. Vous avez plusieurs outils à votre disposition. Je pense entre autres à Cursus. Cursus qui, peut vous proposer des domaines d'études selon vos traits de personnalité. Je pense également à Affinity. Affinity qui, est un outil plutôt ludique, on va vous proposer des programmes qui correspondent finalement à 100% à vos traits de personnalité, à vos intérêts, mais également à votre parcours scolaire. Je pense entre autres à votre cotère, les préalables et compagnie. Donc, c'est un outil à utiliser définitivement. Ensuite de ça, il y aurait le comparateur de programmes. Le comparateur de programmes, en fait, il permet de comparer jusqu'à 3 programmes côte à côte et faire ressortir les ressemblances. Donc, si jamais vous voulez vous chercher un plan B, vous pouvez, regarder dans quel autre programme il y a des cours communs pour pouvoir vous avancer. Donc, c'est un autre petit truc. Mais également, dans
le parcours. On a également l'outil parcours qui est un aide-mémoire qui vous accompagne avec une liste à cocher étape par étape dans ce grand processus-là de la demande d'admission. Puis encore une fois, j'en ai parlé, vidéo sur demande, donc toutes sortes de contenus qui ont été produits l'an passé et cette année qui sont à votre disposition. Donc, je tenais aussi également à vous parler des types de diplômes que nous offrons à l'Université de Montréal. Il y a plusieurs parcours possibles. Entre autres, nous avons le programme, le diplôme le plus reconnu, en fait, généralement connu du public, est le baccalauréat. Donc, c'est un programme généralement de 3 ans, mais il peut y avoir quelques petites exceptions. Je pense entre autres à enseignement qui dure 4 ans. Ensuite, on a également des doctorats de premier cycle. Les doctorats de premier cycle, pourquoi on appelle ça des doctorats de premier cycle? En fait, c'est que vous avez plus de crédits à suivre qu'un baccalauréat régulier. Et puis, à la fin du programme, ça vous donne le titre de docteur. Donc, je pense entre autres à médecine, médecine dentaire, vétérinaire, optométrie et pharmacie. Ensuite de ça, il y a possibilité d'avoir un bac par cumul. Donc, c'est quoi le bac par cumul? En fait, c'est on peut cumuler, par exemple, 3 mineurs ou certificats. Mineurs et certificats, c'est un peu l'équivalent finalement de la première année d'un baccalauréat. Et on peut jumeler ça aussi à des majeurs, donc majeurs qui équivalent en fait aux 2 premières années du baccalauréat. Donc, on peut jumeler 3 mineurs ou certificats, une mineure avec une majeure et exceptionnellement aussi 2 majeurs pour en faire un baccalauréat par cumul qui est tout à fait reconnu au même titre qu'un baccalauréat. Donc, voilà. Merci beaucoup, Véronique. Tous les chemins mènent au baccalauréat, finalement, au doctorat de premier cycle. Génial. Donc, maintenant, venons-en à la préparation. Donc, une fois qu'on a identifié le ou les programmes d'études auxquels on désire faire application, il faut déjà voir un peu ce qui est demandé par ces programmes d'études. On parle d'abord de la cotère. Certains programmes ont une cotère minimale, une cote de rendement minimale. Donc, il faut s'assurer d'avoir une cotère supérieure ou égale à celle-ci. Parfois, c'est une cotère du dernier ami également. Donc, à ce moment-là, il faut s'assurer d'être dans les environs de cette cote également. On parle des cours préalables également. Il faut s'assurer d'avoir suivi et réussi tous les cours préalables exigés par un programme d'études s'il y a lieu avant l'entrée au programme. Il y a une exigence de français qui est généralement demandée. Il faut l'approuver, à moins d'avoir obtenu un diplôme d'études collégiales dans un cégep francophone. Généralement, il faut prouver sa maîtrise du français. Mm-hmm. Donc, toutes sortes de conditions d'admission dont il faut prendre connaissance et puis prendre action pour voir ce qui est à faire. On a également certains programmes d'études qui demandent des entrevues ou des tests. Je pense par exemple à l'examen CASPER, mm-hmm. qui est demandé pour nos 5 doctorats de premier cycle et pour le baccalauréat en physiothérapie, ergothérapie et nutrition. C'est un test auquel il faut s'inscrire nous-mêmes et puis il faut le passer avant la date limite fixée pour le dépôt. Donc ça, c'est particulièrement quelque chose à prendre en considération pour être certain mm-hmm. d'être admissible à ces programmes d'études. On a également nos programmes de la faculté de musique qui peuvent demander à passer des tests de classement ou bien des épreuves ou des connaissances pour prouver nos connaissances dans le domaine musical. Dans le domaine des langues également, on a des tests qui peuvent être demandés. Ça vient généralement plus tard dans le processus, par contre. Parlant de tests qui viennent plus tard, il y a les mini-entrevues multiples en lien avec le doctorat de premier cycle en médecine et son année préparatoire. Ça également, on y est convoqué. Ça vient plus tard, mais c'est quand même à prévoir. Voilà, essentiellement pour la préparation. Donc, une fois qu'on a tout ça en tête, là, on est prêt à aller plus loin, passer à la prochaine étape qui est le dépôt de la demande d'admission. Élément important à savoir pour le dépôt de la demande d'admission, c'est d'abord la date limite. Il faut s'assurer de respecter la date limite fixée pour le dépôt. Pour un candidat qui n'a que des études collégiales faites au Québec, typiquement, cette date-là, ce sera le 1er mars 2022 pour une admission à l'automne 2022. Pour un candidat qui a déjà été inscrit à l'université ou qui a déjà fait des études à l'extérieur du Québec, cette date-là, c'est généralement le 1er février, sauf pour nos doctorats de premier cycle, pour lesquels la date à ce moment-là, c'était le 15 novembre, donc dans les derniers jours. Donc, il faut s'assurer de déposer la demande d'admission au plus tard à cette date. Je vous recommande quand même de le faire le plus tôt possible pour être sûr d'éviter les imprévus. Et puis, dans la demande d'admission, on a la possibilité de faire jusqu'à 3 choix de programme. Mm-hmm. C'est très important de classer les choix de programme par ordre hiérarchique de priorité. Donc, d'indiquer notre plan A en premier choix. Et ensuite, un plan B, un plan C. C'est pertinent de les inclure à la demande d'admission, mais il faut respecter l'ordre, donc les indiquer en deuxième et en troisième choix.
Une fois que la demande d'admission est soumise, ensuite, il faut faire le suivi. Donc, on va demander de fournir des relevés de notes, par exemple. D'ailleurs, pour les collégiens, vous avez une étape là, qui est souvent sautée ici. Les cégeps peuvent nous transmettre directement vos relevés de notes, les cégeps québécois. Donc, à ce niveau-là, là, ça vous allège un peu le processus. Mais si vous avez des études à l'université, par exemple, il faudra demander à ce que vos relevés de notes nous soient transmis. Voilà. Il y a d'autres documents qui peuvent être demandés en lien avec l'identité, par exemple, ou des documents comme ça. Donc, il faut compléter le dossier qui s'en ira ensuite en évaluation. Et dans le meilleur des cas, on reçoit un avis d'admission. C'est super important d'aller accepter l'avis d'admission. Et ensuite, vient l'étape de se préparer à intégrer le programme d'études. Tout d'abord, on devient véritablement étudiant de l'Université de Montréal quand on reçoit notre adresse courriel institutionnelle avec notre nom, @umontréal.ca. Il y a également des rendez-vous qui sont organisés par le département qui nous permet de rencontrer les personnes clés qui vont nous accompagner tout au long de notre processus, tout au long de notre cheminement, pardon, dans le programme. Donc, c'est super, super intéressant. Proche de la rentrée, c'est le moment de se plonger dans la vie étudiante, dans la semaine d'accueil, une semaine qui propose une panoplie d'activités qui sont vraiment super intéressantes pour apprendre à connaître le campus, les gens et puis la vie à l'Université de Montréal. C'est exact. Bien, en fait, c'est ça. C'est un petit message qu'on souhaite vous rappeler. C'est que on sait que cette grande étape-là de passer du cégep à l'université, c'est une grande étape. Ça peut être stressant. C'est excitant en même temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes prise en charge dès le dépôt de la demande d'admission. Donc, on ne vous lâche pas jusqu'à l'intégration, mais même à l'entrée de votre programme, on vous propose toutes sortes d'ateliers. On reste en communication avec vous. Tout à fait. Donc, on va passer tout de suite aux questions pour Jean-François et Judith. En fait, ils vont nous partager des petits trucs, comment ils ont procédé par rapport à leur procédure d'admission et d'exploration. Donc, je commencerai avec Judith. Judith, combien de temps à l'avance environ tu t'y es pris pour tes recherches, autant d'exploration, mais de dépôt de la demande d'admission? Oui, pour ce qui est de l'exploration de mon programme, en fait, j'ai commencé dès que je suis rentrée au cégep. J'ai regardé sur le site de l'UDM, j'ai regardé qu'est-ce qui s'offrait à moi. Mm-hmm. Et à ma dernière année de cégep, j'ai consulté un conseiller en orientation à mon cégep qui m'a expliqué un petit peu. Il a fait des recherches avec moi sur le site de l'UDM. C'est très bien expliqué sur comment faire le dépôt de la demande. Puis il y a d'ailleurs une vidéo sur le site qui t'explique pas à pas comment remplir ta demande d'admission. Donc, c'était quand même assez facile, je dirais. Parfait. Merci beaucoup. Jean-François, maintenant, où as-tu fait tes recherches? En fait, quels ont été les outils qui t'ont été utiles dans tes recherches? Mon premier contact véritablement avec l'Université de Montréal, c'était lors de la tournée des cégeps. Mm-hmm. En fait, j'ai pu rencontrer quelques membres du personnel dans un kiosque qui était au cégep Gérald Godin. Donc, justement, le fait que le cégep n'était pas nécessairement près du centre-ville de Montréal, ouais. Ça m'a permis d'avoir un accès direct au sein même de mon institution au cégep. Après, le site Internet a été absolument essentiel parce que j'hésitais beaucoup. J'étais en sciences humaines, j'adorais l'économie, j'adorais la science politique, j'étais indécis. Et j'ai fait des recherches par mots-clés sur le site Internet. Et après plusieurs recherches, j'ai réalisé qu'il y avait un baccalauréat bidisciplinaire, ouais. C'est-à-dire dans deux différentes disciplines, le baccalauréat en économie politique. Donc, c'était coup de foudre. J'ai décidé de choisir ce programme qui correspondait à mes intérêts. Et c'est grâce justement à ces deux éléments-là, en particulier cet Internet puis le kiosque, les kiosques organisés par l'Université de Montréal. Merci, merci Jean-François pour ces conseils. Maintenant, Judith, en fait, quand est venu le temps de faire tes démarches, qui as-tu consulté? Un conseiller en orientation à mon cégep. Et puis, j'aurais aimé ça. Je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait beaucoup d'événements que l'université organisait et ça aurait beaucoup facilité le processus. Donc, je vous le conseille vraiment. Maintenant que je suis ambassadrice, je vois tout ce que l'université met en place. Donc, ça facilite beaucoup le processus pour les nouveaux étudiants. Je vous le conseille. Parfait, merci beaucoup. À Jean-François encore, as-tu des conseils pour les étudiants qui s'apprêtent à déposer leur demande d'admission, qui sont à la fin de leur parcours collégial en ce moment? En fait, quand on est au cégep, on se demande des fois si le choix, c'est le bon. On se pose beaucoup de questions et on se dit, on s'engage dans quelque chose pendant 3 ans, ça peut être stressant, ça peut être difficile. Moi, je conseillerais d'aller voir, encore une fois, sur le site Internet, mais plus spécifiquement sur le département
qui nous intéressent. Par exemple, si la physique nous intéresse, on va aller sur le département de physique, leur site Internet, et on peut aller dans la section nouvelles. Et en fait, c'est des publications, la vulgarisation de recherches scientifiques menées par des étudiants. Par exemple, hier, j'ai fait des recherches sur ce site Internet. J'ai vu qu'il y a une publication sur les exoplanètes, l'étude d'atmosphère. Donc, c'est toutes des choses qui peut-être peuvent nous confirmer notre intérêt. On regarde à travers ces nouvelles-là, on se dit, OK, ça, ça me passionne. Je voudrais être cet étudiant-là qui a poursuivi ses études et qui a fait ses études scientifiques-là. Donc, aussi, il y a des commentaires sur l'actualité. Donc, le département de sciences politiques, par exemple, des professeurs qui sont réputés vont donner leur avis sur ce qui se passe en ce moment ou des étudiants même vont commenter l'actualité. Donc, ça peut vraiment nous donner, nous immiscer dans ce département avant même qu'on devienne étudiant. Moi, personnellement, je trouve que ça m'aide beaucoup parce que maintenant, je suis au baccalauréat en droit. Donc, quand je regarde cette section-là, ça me garde aussi au courant de ma discipline, des différentes choses qui se passent au sein même du département. Très bon point. Peux-tu me rappeler, en fait, combien de temps ça t'avait pris environ pour remplir ta demande d'admission? Donc, quand j'avais trouvé mon programme, je me suis dit, j'y vais, je remplis ma demande. La partie la plus longue a été de trouver mes documents. Mais donc, le conseil que je donnerais à tout le monde, ce serait d'aller dans cet espace spécifique de la maison de vos parents, trouver tous les documents nécessaires relatif à l'identité. Personnellement, j'étais né en Ontario, donc c'était un petit des documents, il fallait que j'aille chercher. Donc, on rassemble tous ces documents-là, mais à partir du moment où on a tout en main, ça m'a pris une trentaine de minutes, je dois dire, sur Internet. Et ça s'envoie assez facilement comme ça. Parfait. J'ai pas eu de problème. Génial, merci beaucoup. J'ai encore une question pour toi, Jean-François. Puis je la pose également, Judith. Je pense que vous avez changé de programme, donc vous êtes passé d'un programme universitaire à un autre programme. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Bien, je peux y aller. Donc, comme j'ai dit, mon premier programme, c'était économie politique. Donc, j'ai fait 3 ans dans ce baccalauréat-là. Donc, je suis diplômé de ce baccalauréat. Et j'ai décidé de poursuivre mes études au baccalauréat encore. Certains diront que c'est assez répétitif. Mais en fait, c'est qu'à travers mes études en économie politique, qu'on appelle Écopole dans le domaine, ça m'a permis de développer justement un intérêt pour le droit. Et je me suis dit, dans les recherches que j'ai faites, dans les travaux que j'ai effectués, j'ai toujours eu un intérêt pour le droit. Il y a toujours des notions juridiques que je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, il est temps de se lancer là-dedans parce que ça m'intéresse véritablement. Et pour moi, c'était pas une source de stress de changer de programme après 3 ans. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être encouragé parce que, justement, ça permet d'avoir une perspective assez large sur des sujets, que ce soit même en sciences naturelles. Je trouve ça vraiment intéressant et pertinent de le faire. Mais c'est vrai. En fait, c'est tout à fait normal de changer de programme. Puis, c'est normal de ne pas savoir dès la rentrée dans quoi on veut exercer, de quel métier on veut exercer. Puis, conseil que j'adore donner aux étudiants du cégep, c'est le métier que vous allez faire plus tard n'existe peut-être même pas encore. Il faudra le créer préalablement. Donc, exactement. Voilà. C'est ça. Donc, Judith, pour toi, comment ça s'est passé, ton changement de programme? Oui. Donc, moi, j'avais commencé en communication et politique parce que les deux domaines m'intéressaient. Et en rentrant en Compol, je me suis rendu compte que j'aimais plus les communications. Donc, j'ai étudié une année en communication et politique et j'ai ensuite changé pour aller en communication. Et j'ai pu créditer des cours que j'avais pris en communication et politique pour mon bac de communication. Donc, ça accélère un petit peu mon bac. Merci beaucoup. Encore à vous deux. Je vais commencer maintenant par Judith. Comment s'est passée la fameuse attente, attendre une réponse d'admission? Oui, bien, c'est sûr que c'est stressant pour tout le monde. Moi, personnellement, j'étais quand même bien avec ça parce que je me suis dit, je vais attendre, je vais recevoir un courriel de l'université et... En effet, oui, j'avais reçu un courriel de l'université quand le temps était venu et puis ça me disait d'aller accepter mon offre et puis je suis rentrée dans mon centre étudiant, je suis allée accepter mon offre et tout s'est bien passé. Génial. Cool. Puis Jean-François? Moi, j'ai fait 2 demandes d'admission, 3 ans à part. Et la première, c'est relativement bien passé. L'attente ne m'avait pas trop stressé, mais c'est plutôt le deuxième programme où c'est un programme assez fortement contingenté. Donc, dans certaines situations, on se retrouve à être dans une situation très stressante. On ne sait pas si nos notes ont été assez hautes. On ne sait pas si certains éléments de notre dossier vont nous permettre de rentrer en ce programme. Mais il ne faut pas stresser. Il ne faut pas se comparer. Il faut pas, si notre ami a reçu un avis tandis que nous, on ne l'a pas reçu encore, il faut vraiment juste patienter.
pas regarder le centre étudiant à chaque heure, mais plutôt on espace ça de quelques jours. Et dans mon cas, dès que j'ai reçu mon avis de décision là, qui confirmait mon admission, j'étais heureux. Puis ça, tout le stress que j'avais vécu, en fait, a été éclipsé. Là, donc, c'était juste une question d'attente. Bien, c'est une étape importante. Donc, c'est tout à fait normal là, de vivre un petit stress là, pour, lorsqu'on attend la réponse. Merci beaucoup à vous deux. Je vais prendre, en fait, quelques questions qu'on a reçues du public. Oui. Et puis, je pourrais vous les poser, avoir votre opinion en même temps. La première question qu'on a reçue, c'est, en fait, pour un étudiant qui a fait ses études au Québec, on nous demande de répéter la date limite. Oui. Donc, pour un candidat qui n'a que des études collégiales faites au Québec, la date limite pour l'automne 2022, c'est le 1er mars 2022. Pour quelqu'un qui a déjà été inscrit à l'université ou qui a déjà fait des études à l'extérieur du Québec, la date limite, c'est le 1er février pour la plupart des programmes, sauf pour nos 5 doctorats de premier cycle, où la date limite était le 15 novembre. Exactement. Donc ça, c'est la date limite pour l'automne. Exactement. Pour l'hiver, peux-tu me rappeler la date? Pour l'hiver, c'est moins compliqué, c'est la même pour tout le monde, et c'est le 1er novembre. Il y a quand même certains programmes qui ont été prolongés là, pour l'hiver 2022. Donc la première date, c'est le 1er novembre, mais je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé à entreprendre des études à l'hiver. Il y a certains programmes qui sont encore disponibles à l'heure où on se parle, en fait. Génial. Merci. Avec plaisir. Donc, ensuite de ça, on demande si j'ai été... Puis ça, je vais pouvoir te la lancer, la question, Judith. Si j'ai été dans un cégep anglophone, est-ce que j'ai un test de français à passer? Non, absolument pas. Donc, si tu as fait tes études en français au secondaire, tu n'as qu'à envoyer ton bulletin de secondaire 4 et 5. Et puis... C'est correct avec ça. Oui. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle ici chez nous une demande de dispense. Exactement. Une demande de dispense pour si les deux dernières années d'études secondaires ont été faites en français au Canada. Exactement. Voilà. Donc, on me demande, pour médecine vétérinaire, quelle est la cotère minimum pour être admis? Je ne la connais pas par cœur. Donc, c'est un programme dont la capacité d'accueil est limitée. Ouais. Donc, chaque année, on voit la cotère du dernier admis qui peut varier d'une année à l'autre en fonction des candidatures et de la qualité du dossier des différents candidats et candidates. On parle d'une trentaine en montant. J'aurais tendance à dire autour de 34, mais l'information précise figure sur la page descriptive du programme sur le site admission.montréal.ca. On voit même les statistiques pour les trois dernières années, voir un peu l'évolution, là, comment ça se passe d'une année à l'autre. Oui, vous avez aussi un feuillet qui sur les statistiques d'admission sur la page Vous êtes formé au Québec, donc c'est un encart des cotères des derniers admis l'an passé. Donc c'est vraiment à titre indicatif, sauf que ça peut quand même nous donner une bonne petite idée. Donc, si vous le souhaitez, en fait, cette information est dans le chat, dans la bulle discussion, on vous a poussé le lien. Donc, autre question, au niveau des plans B, qu'est-ce que je peux faire si je sais que j'ai pas la quota, par exemple au cégep, pour pouvoir être admis? C'est une excellente question. Bon, on a parlé des trois choix de programme dans la demande d'admission. Moi, je vous dirais, premier choix, mettez le programme quand même, juste au cas où, pour voir, tu sais, ne pas vous disqualifier vous-même. On va laisser l'agent d'admission le faire s'il doit le faire. Mm-hmm. Et puis, en deuxième, troisième choix, ben, c'est à cet endroit-là où on peut jouer plus sécure, appliquer pour un programme où on est plus confiant là, de recevoir une admission. Si le programme est offert, par exemple, en mineur, majeur et baccalauréat, peut-être que vous n'avez pas la cote de rendement nécessaire pour le baccalauréat, mais éventuellement, parfois, les mineurs et les majeurs demandent une cote moins élevée. Donc, ça pourrait être une façon d'entrer dans le programme, commencer à s'avancer, cumuler des notes de niveau universitaire, idéalement avoir des bonnes notes pour faire grimper notre rendement, puis éventuellement pouvoir changer vers le baccalauréat. Ça pourrait être une option. Oui, bien de là l'importance aussi, l'atout du comparateur de programme. Exactement, pour pouvoir cibler un programme qui est assez similaire, puis pouvoir s'avancer dans notre programme, notre choix numéro un. Oui. On a d'autres questions. Désolée, je lis. Lors de l'évaluation des dossiers scolaires universitaires. Ça veut dire que, en fait, pour des étudiants qui sont passés par l'université, quelle est l'importance relative à l'évaluation du dossier, du dossier universitaire versus collégial? C'est une excellente question. Donc, dans le fond, on commence à considérer les notes obtenues à l'université à partir du moment où on a suivi 12 crédits de cours. Et puis, à partir de ce moment-là, bien, ce sera à raison de 2 % par crédit. Donc, par exemple, si on a suivi 12 crédits de cours fois 2 %, ça veut dire que 24 % d'évaluation du dossier dépendra des notes obtenues à l'université et la différence dépendra des notes obtenues au cégep.
En suivant cette logique, on se rend compte que si on a suivi 50 crédits de niveau universitaire, 50 crédits fois 2 %, ça donne 100 %. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de 50 crédits universitaires, on ne regarde plus les notes au cégep, mais que les notes au niveau universitaire. Oui, on va regarder évidemment si les préalables ont quand même tout été à suivis fait. C'est, au cégep. C'est tout à fait, absolument. Génial, merci. Ensuite de ça, j'ai en fait avec nous une question. Bon, je suis étudiant de nationalité canadienne résidant au Maroc. J'aimerais savoir si le cégep est obligatoire pour accéder au programme de baccalauréat. C'est une excellente question. Pas nécessairement. On a des programmes d'accueil si jamais notre diplôme préuniversitaire n'est pas considéré comme un équivalent au DEC. Des diplômes obtenus à l'international sont parfois équivalents, parfois pas. J'inviterai à contacter notre service, le service de l'admission et du recrutement. Mm-hmm. On a un service à clientèle disponible du lundi au vendredi qui pourra vous éclairer en fonction de votre situation. Exactement. Donc, on nous demande encore une fois, est-ce que j'aurai à passer le test de français? En fait, le conseil que j'ai à vous donner, visitez le site du Centre de communication écrite. Dans votre cas, on vous donne en fait plusieurs moyens d'être dispensé. Si jamais vous n'êtes pas dispensé, ben là, à ce moment-là, il va falloir soumettre aussi évidemment un test de français. Donc, une preuve de connaissance du français. Ensuite de ça, la question suivante, ça j'y ai posé. Parfait. Finalement, on nous demande également à quoi pourraient ressembler les frais pour chaque session. Parce qu'on le sait, les frais de session, les frais de scolarité sont à payer à chaque session, donc à l'automne et à l'hiver et à l'été si jamais vous suivez des cours d'été. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner une petite idée, ça tourne autour de combien les frais de scolarité pour un étudiant québécois? Ça dépend de la session. Là. J'ai pas le montant exact. Là. Ouais. Mais dans le fond, pour un étudiant qui est inscrit à temps plein, ça peut ressembler, si je me trompe pas, puis c'est loin dans mes mémoires, autour de 1500-1600 par session. Est-ce que je me trompe? Ça ressemble à ça? Exactement. Autour de 2000 avec l'assurance et tout ça. Puis ça varie dépendamment si c'est l'hiver ou la session d'automne. Oui, c'est ça. Puis il ne faut pas oublier que le matériel scolaire n'est pas inclus dans ces frais de scolarité-là. Donc, ne pas oublier, oui, comme on le mentionnait, il y a trois sessions par année. Donc, il y a l'automne, il y a l'hiver et l'été, c'est optionnel pour la plupart des programmes. Donc, certains étudiants souhaitent s'avancer et c'est en fait une session qui est condensée, donc qui n'est pas en fait le même portrait que les sessions d'automne et d'hiver. Donc, c'est toutes les questions qu'on avait. Peux-tu nous parler d'Instagram? Ben oui, certainement. On peut rester connecté par notre compte Instagram. C'est le @umontréal.futuretudiant. Super intéressant. Je vous recommande définitivement d'aller vous abonner. Ça permet de voir des capsules informatives sur des notions concernant l'admission. On a également des témoignages d'étudiants dans différents programmes d'études. Et surtout, je dirais, des stories qui sont publiées quotidiennement, qui présentent à quoi ça ressemble finalement la vie quand on est étudiant à l'Université de Montréal, la vie sur le campus et tout ça, ça donne un très bel aperçu. Donc, c'est vraiment super intéressant. Génial. Merci beaucoup. Donc, dernière petite mention. N'oubliez pas, on a encore des événements cet automne qui se poursuivent jusqu'au 17 décembre. Donc, les entrevues de la montagne, entre autres. Nous avons également des séances sur l'admission Tracer votre chemin vers l'UdeM pour les cycles supérieurs dans les prochaines semaines. Donc, allez visiter notre page d'événements du site admission.umontréal.ca. Et cet hiver, revenez également nous voir. Nous offrirons entre autres des séances sur les différents programmes où vous aurez la chance d'échanger finalement avec les responsables de programme. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Olivier, merci Jean-François, merci Judith et puis merci à l'équipe derrière cette belle séance. Donc, je vous souhaite une bonne journée puis à la prochaine.